folie des hommes, au chaos, au désespoir, aux joueurs de LOL, aux dragons de la cour et aux Gangnam Style dans les prestas. Seul un homme peut sauver le monde de la menace qui pèse sur le cosplay, sur le monde de la menace qui pèse sur l'homme et le cosplay. Ouais. Un homme grâce à qui l'humanité a retrouvé la foi. Ce chevalier des temps modernes, mais sans la voiture. Passez le parcours du combattant de la file d'attente de la porte d'entrée de Japan Expo. Traversez 50 000. 1000. 50. Bon, ok, il est passé par deux boules. Verbasse VIP en fait. Pour vous sauver des machines à coudre du chaos des joueurs de Gangnam Style en proie à la folie du désespoir de LOL. Le voici, Epic Man. Et comme avec tout ça, il n'avait pas le temps de passer au pressing ou de faire les courses, il a recruté Epic Boy. Bonjour, Comic-Con Paris. Salut, Comic-Con. Comic-Con. Donc, nous sommes ici réunis aujourd'hui pour sauver le cosplay. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Ouais, prêts à nous aider. Non, c'est un peu moulin. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider à sauver Comic-Con Paris? Ouais. C'est parfait. C'est super. Ça me trouble un peu quand tu parles comme ça. Mais j'aime ça. Et si nous commencions par notre premier cosplay, n'est-ce pas, Gidman? Oui, on est prêts. Ah, deux secondes, je reçois un fax. C'est une tenue super moderne. D'habitude, c'est moi qui vais te chercher le fax. Je t'ai dit pas en public. Donc, plusieurs cosplays vont venir sur scène aujourd'hui pour sauver le cosplay. Mais vu qu'on n'est pas sûr de leur qualité, il y a un jury qui va juger, qui va décider qui est le cosplayer qui va sauver le cosplay de Comic-Con Paris. Est-ce que vous êtes prêts à tous les encourager? Ouais! Les encourager! Ouais! T'es mon sidekick, t'es pas mon écho. Bon. Oui. D'accord. Je préfère. Attention. Sinon je te renvoie dans ta poubelle. Encore? Oui, encore.